Oh! Attendez, attendez. Ouh! Attendez, attendez, on va mettre le son. On va mettre le son. T'es un bâtard, frère. T'es un bâtard. Moi, j'attendais un Orewa Number One. Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch. Les liens sont dans la description. Tous les jours, vers 20h30, 21h, on lance un live où jouons à pas mal de jeux, on se tape des délires. Donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle cette fois. Et ouais, ouais, j'ai relancé le jeu. On est toujours là. Merci au frérot qui a follow en live. Bah d'ailleurs on est en live là sur Twitch. Donc si t'es pas encore venu sur la chaîne Twitch, hésite pas, ça fait plaisir tous les jours. 20h30, 21h on est là, on fait plein de jeux. Et aujourd'hui c'est du Dokkan. Bon, je fais pas souvent du Dokkan, mais aujourd'hui on s'est dit qu'il y avait le petit top rentable qui est arrivé. Et ça fait plutôt plaisir. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit cycle et se reconnecter hein. On est toujours preneur quand il y a des petits top rentables, c'est clair et net. Donc on a le nouveau DF qui est tombé, qui est Trunks Zamasu, qui est plutôt très bon au niveau des portails, mais vu que ça fait quand même un moment que je joue et que j'ai plutôt chaté à droite à gauche, vous allez voir que pour moi les portails ne sont pas si intéressants que ça, excusez-moi. Après il y a les petites promos au début, donc il y a la promo classique des 3 mutines gratuites qu'on a sur tous les doubles Dokkan Fest, et il y a la promo de départ qui est à 30 DS la première, 35 la deuxième et 45 la troisième. Donc vous avez un cycle en gros pour 65, pour 115 DS, 120 DS, bref. J'ai la flemme de calculer. Non attendez, je vais pas faire Fitzadri les gars, je suis pas comme lui. Je vais le faire. 65, 70, 110 DS. Pour 110 DS du coup. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Je vous ai pas oublié, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés pour Dokkan, parce que des trucs que je faisais principal avant. Je joue beaucoup à CNC en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu mis Dokkan de côté, mais voilà, je suis toujours là, je regarde toujours l'actu, et puis vous inquiétez pas, je réfléchis à un format que je pourrais vous faire chaque semaine pour au sujet de Dokkan, que ça soit contre quelqu'un toutes les semaines, voilà, un petit truc à faire comme les Dokkan que je faisais, mais que apparemment c'était pas, c'est pas ce qui vous intéressait le plus. Je vais essayer de vous trouver un petit truc, vous inquiétez pas. Bref, j'ai beaucoup parlé. Ces deux portails là, je vais vous passer en revue vraiment très très rapidement ce qu'il y a. Donc il y a nouveau Zamasu que j'ai pas clairement. Le reste je l'ai. Hop, là j'ai avec un doublon et j'ai trois doublons. Par contre le portail de Trunks m'intéresse beaucoup plus pour le coup, parce que j'ai pas le kit Goku qui est vraiment une très bonne unité. Gogeta j'ai déjà un doublon, un deuxième ça me ferait plaisir. Sachant que l'attaque supplémentaire dessus c'est très très fort quand il se transforme les trois quarts du temps, donc double critique, ça fait plaisir. Le Mirai Gohan que j'ai toujours pas, peut-être le pire leader catégorie du jeu, mais bon, voilà, on le veut quand même hein, pour la collecte. Vegeta Blue Evolution, toujours pas de doublon dessus, ça ferait plaisir d'en avoir. Hein. Vegeto 2, et puis voilà, le Vegeto que j'ai toujours pas. Et puis on va commencer avec la première multi, du coup on pourra faire un cycle. On pourra faire un cycle. Animation pourrie. Il y avait Goten et Gohan, mais je pense pas que ça fasse grand chose. Je pense pas que ça fasse grand chose. SSJ3. Pas de SSJ God. Pas de SSJ God. On commence avec un bon Totepo, hein, ça fait plaisir. Ouais. Très bonne unité qui avait saigné. Alors, je sais plus du tout si je l'ai. Je sais plus du tout si je l'ai. Mais très bonne unité. Si je crois que je l'ai. Une très bonne unité, ok. Je prends. On aurait préféré un détecteur, clairement. Mais bon, pourquoi pas. Chichi. Videl. C'est dit pas. Nail, bon, je crois que. Tapion agit en finale. Oh, pourquoi pas. J'ai toujours pas de doublon dessus. D'ailleurs, j'ai bien galéré à l'avoir. J'ai eu il y a pas longtemps. Et en plus, on a les tickets. J'avais complètement oublié les tickets. C'est vrai qu'on a les tickets. On a les tickets en plus. Magnifique. C'est magnifique ce qui se passe.
On a les tickets, donc on les fera en même temps. Enfin, Tapion et Tortue Génial, deux persos hors détecteur. Néanmoins très bon. Mais on veut quand même du détecteur. Mais ça fait plaisir. Aïe. Aïe. Comment vous dire que j'ai mal? Arc-en-ciel, bon. Arc-en-ciel qui veut dire que t'as un SSR, hein. À skip plus de choses sur le détecteur, à skip de. Il s'est pas transformé en CJ God. Allez, Ten. Satan. Ah ouais, c'est le combo là. Oh là là, mais attends, ils vont me refaire ton Dragon Ball là. Tenchian, Yamcha, Yajirobe. Ah bah Yamcha, bah oui, et Krillin, il est où? Ah bah oui, Goku, évidemment. Oh yo. Bon. Pourquoi pas? Il va sûrement avoir un ZTBR dans le futur, j'avais aucun doublon dessus. Donc c'est plutôt cool. En soi, c'est plutôt cool. Je voulais pas, mais c'est plutôt cool. Bon, je préfère avoir lu que Vegetotech, parce que Vegetotech, j'ai déjà les deux premiers doublons. Et vous savez très bien que les deux premiers doublons, c'est pour débloquer les principales caractéristiques. Donc vous pouvez débloquer tout ce qui est critique. Et tout ce qui est les compétences critiques, esquives et attaques supplémentaires avec les deux premiers doublons. Donc en soi, le Vegetotech, je ne veux pas dessus. Et le Gohan qui a son ZTVR sur la version Jap, le Gohan troll en dernier. Ok. Bon. Très bien. Pas incroyable. On va relâcher une multi. Let's go. On va relâcher une multi. Et après, il y aura la fameuse gratuite. On n'a pas eu d'animation de fou. C'est dommage. Hein. Oh, la fusion. Voilà. C'est cool, ça. C'est cool. La petite fusion qui proc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un perso du détecteur ici. Dokkanfest. Bah, de toute façon, il n'y a que des Dokkanfest sur le détecteur. On espère que c'est le guide Goku. On espère pas que c'est le Vegetotech. Oh, le petit 13 qui tombe. Mais ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Le petit 13 qui tombe. Bah, le jeu même. Bon, on peut dire que le jeu même. Le jeu, apparemment, j'ai manqué au jeu. Ah, ça c'est. Ah, je vous avoue que je suis content. Quand j'ai lancé les invoques, je me suis dit, bon, allez, petit top rentable, tout ça, on s'en bat un peu les reins. Franchement, un cycle perso détecteur, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Après, les doubles de Canfest, en vérité, quand j'y repense, j'ai putain de bien braqué. Hein. Gogeta, Broly, j'avais drop les deux. Incroyable. Bon. Bah écoutez, on est content, on a encore les tickets qui arrivent derrière, on a la multi gratuite, je sais pas ce qu'elle va donner, mais je suis déjà satisfait, c'est bon, tu peux me donner de la merde. Quand j'ai dit de la merde, je pensais pas forcément à ce truc là. Tu vois, tu pousses un peu, t'as dit, tu pouvais me donner n'importe quoi, mais ce truc là, je sais pas pourquoi il me fout la haine, tu vois. Il me fout la haine, c'est vraiment le pire perso du jeu pour moi. Je le déteste ce perso là, les gars. Je le déteste. Dernier perso de la multi, du coup, on va récupérer les tickets tranquillement. Putain, grosse multi, hein. Grosse multi, deux persos du détecteur. Ça fait grave plaisir. Ce trunk là, franchement, par contre, pitié qu'il ait un ZTUR qui transcende l'espace, qui tranche les cieux en deux parce que. On en a rien à casquette de ce truc. Allez, c'est parti pour la dernière, la gratuite. On a encore un Vegeta, tout est possible. Arc-en-ciel. Ah, c'est pas parti. Ouh, on a eu qu'un CJ1 là. Bon, après. Et c'est G1, frère, t'aurais pu quand même nous donner un truc. T'as vu, je demandais pas à la lune, hein, mais. Bon. J'ai eu Trunks avant, je vais pas me plaindre parce que après je vais me faire incendier. Oui, tu drops pas tout en un cycle et tu te. Ah, par contre, lui il casse les couilles. J'ai trois doublons, frère. Il est sorti il y a pas longtemps en plus. Il casse vraiment les couilles. Genre, tu peux pas me donner un autre truc. Non, super. En vrai, c'est très satisfait pour le monde. Très satisfait tout simplement parce qu'on a le Trunks, hein. y a pas photo là-dessus.
On a eu le Trunks, on a 9 tickets. Punaise, je crois que je vais pas avoir assez pour la multi. Mais vous savez quoi, on est des fous. Il est où? Elle est juste en dessous. Il est juste en dessous, on a pas assez pour la multi. Mais vu qu'on est des fifous, et surtout qu'on s'en bat les reins, parce que le SSR garanti, en fait, faut te dire que dans une multi, le SSR garanti, c'est 95% de chance que ça soit un SSR hors détecteur. C'est-à-dire que si c'était pas un SSR du détecteur de base, s'il n'y avait pas de SSR garanti, bah t'as un taux normal en fait. Il y aurait rien eu, tu vois. Il y aurait rien eu en fait, tout simplement. Faut dire que quand il y a SSR garanti à la fin, c'est que t'aurais rien eu sur le dernier perso de la multi. Moi, en vrai, économisez, faites vos multi invocations. Et moi, je m'en bats les reins. On va invoquer, on va faire des singles. Je m'en bats les reins, moi. Clairement, je m'en bats clairement les reins. Parce que le SSR garanti, j'ai presque tous les persos hors détecteur avec je ne sais combien de doublons. Excepté le Broly et Kari Agi qui me fuit depuis des temps immémoriaux. Beerus, ok, d'accord. On va relâcher ça. Ah ouais, c'est vrai que en ce moment, j'étais pas mal sur le jeu et je drop. Hein. C'est vrai que pour le coup, le jeu me demande de revenir. Pour le coup, le jeu me demande de revenir. Oh, Mohamed sur le chat là, je réponds pas au chat quand je suis encore, mais toi, juste toi, je vais te répondre. Garde ton chacal, mais parle pas avec moi. Voilà, garde ton chacal, parle pas avec moi. Vous avez mes invocations sur chacal, d'ailleurs, sinon je les mettrai sur le bouton I là. Parce que je joue beaucoup à Awakening, et puis voilà, ça fait plaisir. Allez voir ça. Hop. Allez, qu'est-ce que tu vas me lâcher là? Qu'est-ce que tu vas. Vous savez ce qui serait pas mal? C'est que je drop le Goku ou un deuxième Trunks, comme ça je fais encore plus la haine à Mohamed. Ça serait magnifique. Ça on adore. Pour le coup, ça on adore. Meggy, t'es un gamin. La tête d'un Meggy. Tu parles de choses qui font mal. Vous voyez, vous êtes pas gentil. Vous êtes pas gentil sur le chat. Ah là, c'est trop l'air. Bon, comme vous savez, Trunks enfant, ça garantit un LR. Hein. Pas du tout, du tout. Ah, on a eu quand même un SR. C'est vrai qu'ils ont fait un truc par rapport à avant. En fait, c'est qu'à l'époque, quand ils se transformaient pas, t'avais. Enfin, je crois pas que t'avais de SR. De tête, je crois pas que t'avais de. Tu pouvais avoir un SR. Je sais plus. Mais en tout cas, t'avais un pourcentage largement inférieur d'avoir un SR. Aujourd'hui, tu peux avoir un SSJ1, tu peux même avoir un SSR. À l'époque, tu pouvais pas. Sans SSJ2, tu pouvais pas. Maintenant, même avec un SSJ1, tu peux avoir un SSR. Et d'ailleurs, maintenant, c'est un peu chelou parce qu'il se transforme. Oh, attendez. Ouh. Attendez, on va mettre le son. Allez, t'es un bâtard, frère. T'es un bâtard. Moi, j'attendais un Orewa Number One. Fusion, yeah. Et là ça c'est Gogeta. Et Vegito ça n'a rien à voir avec Potara, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est heureux. Merci Flame pour les deux balles, frérot. On a eu le petit Gohan qu'on chassait depuis très longtemps. Alors il va dormir dans notre box, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est le seul qui me manquait. C'est le seul perso qui me manquait qui date d'il y a plus d'un an en fait. C'est le seul perso de Canfest qui me manquait qui date d'il y a plus d'un an. Je crois de tête. Hein. Je crois que c'est le seul qui me manquait. Donc autant vous dire que je suis heureux. Je suis heureux. S'il y a un second imprintable, on finira le cycle sur Zamasu. Sinon, ça sera pas possible. Mais en gros, sur Zamasu, j'ai fait une multi offline parce que je m'en foutais un peu. J'ai bien fait d'économiser et de la faire en live, du coup, cette multi. Je suis bien content. Il est bon comme chacun, quel bande de gamins. Allez. Bon, honnêtement, je vais pas vous mentir. Ah, m'ont fait grave plaisir ces invocations. Ah, m'ont fait grave plaisir. C'est plutôt incroyable, hein. Plutôt incroyable pour le coup.
on a eu tout ce qu'on voulait sauf le Goku. Bah, le Goku, par contre, je voulais, c'est vrai que je voulais beaucoup. Donc, c'est dommage, mais on a eu le principal, hein. Lui, alors, il est vraiment abusé, ce Trunks, ça. Pour le coup, il est vraiment complètement fumé. Donc, ça fait plaisir de l'avoir. Ça fait plaisir de l'avoir. Si un jour, il y a un event où on pourra utiliser son plein potentiel, parce que c'est vrai que là, tu roules sur le jeu, et bah, il sera là pour veiller au grain. Bon, bah voilà pour cette petite vidéo, les frères. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu et l'abonnement, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, parce que y a beaucoup de gens qui regardent, mais qui s'abonnent pas. Donc, n'hésitez pas. On fait des vidéos sur Dokkan, sur Senseiya. On fait des lives aussi sur Twitch. Hein, encore une fois, je pense beaucoup avec, mais c'est parce qu'on est là tous les soirs et que tu rates ça. Et ouais, tu rates ça. Alors qu'on est là, on s'amuse. Hein. Voilà, il y a Mohamed Talson sur le chat, ça, faut venir le voir. Donc, tout est dans la barre de description. C'est moi, SMT, c'est pas Boustache, par contre, sur Twitch. Donc, vous me trouverez presque si vous tapez Boustache. Et puis, voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Plein de luck pour vos invocations. Ciao, ciao, à la prochaine.